Morgan, allez, Yiden, l'étude sera aujourd'hui le Nishmat Abraham Khalin Robert Ben Fortune Mazal et Yidida Batester. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Maserhet Tmura, Perek He Mishnabet Yalda Shnezrari Mechadme Mikrav Ola, Vachani Macher Lechaive Ola, Vedamav Khulin. Yalda Shte Nekevot, Achatmen Tikrav Shlamim, Vachani Atimacher Lechaive Shlamim, Vedamav Khulin. Yalda Tumtum Vanoginos, Ramban Shimon Ben Gamliel Omer, En Kedusha, Chala, Alehen. Cette Mishnah continue directement la Mishnah précédente. Donc, on va la rappeler vite fait avec le dernier cas, en fait. Ça se rapporte sur le dernier cas, mais un peu plus, en fait. Le titre, d'abord, de la Mishnah précédente, qu'on va développer un peu plus, encore une Mishnah, je crois, c'est, à savoir, lorsque je sanctifie un fœtus. Concrètement, dans la Mishnah précédente, c'est parce que je voulais contourner des devoirs de Kdusha. C'est-à-dire, j'ai deux situations. Il y avait soit, lorsque j'ai un animal qui est Khulin, une femelle, Khulin, ma vache, ma brebis, elle va mettre bas pour la première fois de sa vie. Eh bien, si ça va être un mâle, vous savez bien que le petit, il va être un Bechor. D'accord? Il va être un Bechor, je devrais le donner au Kohanim. Mais dans la Mishnah précédente, m'enseignait que j'ai moyen de contourner ce devoir en esquivant la scène, en sanctifiant le fœtus. De manière à ce que lorsqu'il va naître, ça va devenir un korban ola. Il fallait que je fasse une doucha supérieure, donc il fallait que je le fasse en korban ola. Si c'est un mâle. Si c'est une femelle, j'ai besoin de rien faire du tout, parce qu'il ne sera jamais kadosh de toute façon. D'accord? C'était la première situation, donc j'ai un animal profane, femelle, elle va mettre bas un petit, pour esquiver la doucha du bechor, je vais le rendre korban ola, premièrement. Deuxième situation, c'était, on parlait d'un korban khatat. Vous vous rappelez que le korban khatat, d'abord, c'est une femelle qui se bat au Seira. Maintenant, si cet animal est lui aussi kadosh, et donc il est korban khatat, et il va mettre bas. Alors, le petit qui va naître, ce sera un vlad khatat, la fameuse halakha, le Moshe Misinai, vetimna, vlad khatat, murat khatat, tout ça, d'accord, on les a appris, dit kaprouba alav. En tout cas, ve vlad khatat, il faut le laisser mourir de faim. Or, moi, j'ai de la peine. Que ça veut dire? Il va y avoir un petit qui va naître, je vais laisser mourir de faim, alors que je peux en faire un korban. Viens, je vais en faire un cadeau, un korban. Qu'est-ce que je fais? Avant qu'il naisse, je vais le sanctifier quand il est encore dans le ventre de sa mère. Je veux dire que je vais le rendre Ola, si c'est un mâle, Shlamim, si c'est une femelle. Je peux aussi le rendre aussi, si c'est un mâle, je peux aussi le rendre Shlamim, concrètement. Si c'est un mâle, je ne pourrai pas le faire. Si c'est une femelle, je ne pourrai pas le faire Ola, parce que Ola, c'est que un mâle. Mais Shlamim, ça peut être Zahar ou Nekeva. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que ce Vlad Khatat, je vais le sanctifier tant qu'il est, avant qu'il naisse, le fœtus Khatat, je vais le sanctifier, je le rends Korban Shlamim, Korban Ola. Et comme ça, j'esquive la Kdusha, et j'esquive la Kdusha du Khatat, je lui colle une autre Kdusha, en fait, et comme ça, lorsqu'il va naître, ce sera donc un Ola, un Shlamim, et je pourrais l'offrir en Korban. Il ne sera plus Vlad Khatat. Vlad Khatat, c'est que lorsqu'il a une Kdusha de Khatat, c'est une Kdusha de Khatat, mais foiré, quoi, comme je sais pas comment ça peut se dire en bon mot, manqué, quoi, elle peut pas remplir sa fonction, mais c'est que sur le khatat. Mais si, du coup, donc je l'ai transformé en shlamim ou ola, ça marche, d'accord? Ça, c'était le principe de la Mishnah. Maintenant, à la fin de la Mishnah, on avait parlé d'un cas particulier, où on parlait d'un korban, concrètement, on parlait d'une khatat qui allait mettre bas soit un mâle, soit une femelle, donc. Et moi, je les ai sanctifiés les deux en leur disant, si c'est un mâle, je le fais Ola, si c'est une femelle, je le fais Shlamim. Et la Mishnah nous avait commencé à nous dire, bon, s'il y a eu un mâle, Korban Ola, s'il y a eu une femelle, Shlamim, maintenant qu'est-ce qui se passe s'il y a eu les deux? La Mishnah précédente, elle a parlé du cas où il y a eu les deux, si c'est un mâle et une femelle, eh bien tu feras le mâle Ola et la femelle Shlamim. Notre Mishnah maintenant continue en reprenant ce cas, entre parenthèses, sans reprendre ce cas, et c'est là le petit vice, mais pour le moment j'avance, elle reprend ce cas en me disant, bah maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a eu deux mâles? Et qu'est-ce qui se passe s'il y a eu deux femelles? Et le principe, il va être relativement simple, c'est que s'il va y avoir deux mâles, eh bien, les deux, ils vont avoir une certaine gdoucha de Olam avec une différence. Un, je serai obligé de le payer de ma poche, mais l'autre, je pourrais le vendre à quelqu'un qui a besoin d'apporter un korban Ola. Parce que même si la gdoucha de Ola, elle va toucher les deux, moi, mon intention, était de sanctifier qu'un seul. Le Tiferet Israël explique, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas exactement c'est lequel. Donc, dans le doute, tu dois vendre les deux en... Donc tu dois sanctifier les deux, mais tu n'es pas obligé de sanctifier les deux du point de vue argent. Donc tu vends un, il est Ola, et l'autre tu le fais Ola, que tu le vends en Ola et tu récupères la valeur. D'accord? Principe très simple. Je fais une petite parenthèse pour l'expliquer. Si j'ai un animal qui est Ola et l'autre je ne sais pas qui il est. C'est-à-dire, j'ai sanctifié un corban Ola, et après cet animal,
il est parti se mélanger avec un autre animal. Je ne sais pas qui est Maola. Donc maintenant j'ai deux animaux, je ne sais pas qui est Ola. Concrètement, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire les deux corbanes Ola maintenant. Mais il y en a un qui est Ola et l'autre qui n'est pas Ola. Donc la solution qu'on propose, elle est de trouver quelqu'un qui a besoin d'apporter de toute façon un corban Ola, et de lui dire, je te vends un corban Ola. Lequel? Un des deux, celui qui est resté Khoulin. Et dans ce cas-là, je récupère l'argent, on apporte ensemble les corbanotes, peu importe, hein, un homme Chaliach, l'autre, on apporte ces deux animaux au Beth Amikdash, et un, ils vont le faire pour Reuven, et l'autre pour Shimon. Peu importe qui il sera, d'accord? Je referme la parenthèse. Donc c'est ce que la Mishnah m'enseigne en me disant, eh bien lorsque les deux, je traduis directement, Yaldash Nezrarim, c'est l'animal Amiba de mâle, eh bien, Echad Mehem Ikrav Ola, l'un, tu l'apporteras en Korban Ola, Vehacheni, et le deuxième, regardez, Imacher Lechay Veola. Tu le vendras, il le vendra à quelqu'un qui Korban, un Korban, qui Chayav d'apporter un Korban Ola. Mais Vedamav Choulin, mais sa valeur, elle sera Choulin, elle sera profane. Comme ce que je vous ai expliqué, selon Tiferet Israël. D'accord? En fait, c'est parce qu'on ne sait pas qui est le Ola réellement. Quand j'ai sanctifié, j'en dis un seul. Mais c'est celui de droite, celui de gauche. Je ne sais même pas qui est celui de droite, qui est de gauche dans le ventre. Et des fois, il se retourne, on ne sait pas qui est qui. Donc du coup, il y en a un des deux, on ne sait pas lequel. L'autre, il est Choulin, mais tu es obligé de le porter en commun Ola. Et tu rentres, récupères l'argent. Attention, tel que je vous ai expliqué la Mishnah, il y a une grande erreur, et je vous l'expliquer dans quelques secondes. Pour le moment, je passe dans le deuxième cas de la Mishnah, qui est encore la même chose, cette fois-ci avec deux femelles. Vous vous rappelez, il y avait écrit aussi, où il y avait deux femelles, que je l'ai fait shlamim. Alors la Mishnah continue en me disant, Yalda shtene kevot, c'est alim alamiba deux femelles. Eh bien, même principe. Une, j'ai sanctifié qu'elle sera shlamim, je ne sais pas qui elle est, donc les deux seront korban shlamim, mais je pourrais récupérer la valeur de l'une, de la deuxième en fait, et l'autre, je devrais la payer de ma poche. Et c'est ce que la Mishnah enseigne, donc Yalda, Shtei Nekevot, c'est Alamiba, deux Nekevot de femelles, Achat Mehem Tikrav Shlamim, l'une sera offerte en Korban Shlamim, Vehashnia Timacher Lechayv Shlamim, la deuxième sera vendue à quelqu'un qui est Chayav d'apporter un Korban Shlamim, Vedamea Choulin, et tandis que sa contre-valeur sera Choulin. Voilà pour la Mishnah, la première partie de la Mishnah, et je vous ai dit qu'il y a une grande erreur dans cette Mishnah. Parce que je vous ai dit que la Mishnah, elle se rapporte sur la fin de la Mishnah où il avait posé la condition que sa vache allait mettre, que sa brebis allait mettre bas, soit un mâle, soit une femelle. Dans la Mishnah précédente, on parlait d'une khatat, qui va mettre bas soit un mâle, soit une femelle. Mais dans notre Mishnah, on ne peut surtout pas parler d'un korban khatat qui va mettre bas. Parce que, d'abord, je vous explique de quoi on parle, et après, je vais vous expliquer pourquoi il faut... concrètement, le Barthénois, regardez, les premiers mots du Barthénois, c'est de nous dire, « Yalda shnei srarim alamiba deux mâles » Bébé ma choulin maïré, on parle d'un animal qui est choulin, surtout pas d'un animal qui est kadosh. Il faut parler qu'en fait, en réalité, j'avais juste une gentille vache ou brebis, ou ce que vous voulez, mais qui n'était pas du tout korban khatat, elle avait aucune gdosha. Elle avait aucune gdosha, j'ai voulu sanctifier et faire cadeau du fœtus lorsqu'il va naître, que ce sera un korban. Alors là, la Mishnah me dit, bon, un, il sera korban, il sera le korban que tu as voulu faire, le deuxième, tu le vendras à celui qui est tsorkeola. Par contre, si tu avais une BMA qui était khatat, un korban khatat, alors regardez, je vous expliquais qu'en réalité, lorsque j'ai voulu sanctifier un et pas deux, seulement je me retrouve bloqué parce qu'il est mêlé à, je ne sais pas qui est la Ola ou qui est le Shlamim, et l'autre, bon, j'ai pas le choix, donc je vais le vendre à quelqu'un qui rêve d'apporter un. Mais si la mère, c'était elle-même un korban khatat, le deuxième, je ne l'ai pas sanctifié. Si je ne l'ai pas sanctifié, alors il est Vlad khatat, il doit mourir. Et s'il doit mourir, et je ne sais pas qui doit mourir, qui doit rester en vie, on va laisser mourir les deux de faim. D'accord? C'est ce que le Barthénois il explique. Donc il ne faut surtout pas parler. C'est-à-dire, il est vrai que concrètement, ça se rapporte sur, en apparence, sur le cas de la fin de la Mishnah précédente, où il y avait marqué que c'était qu'il a fait la condition de si c'est un mâle, un hola, si c'est une femelle, un shlamim. Mais on ne parle pas du vrai cas de la Mishnah précédente. Parce que dans la Mishnah précédente, on parlait réellement d'une BMA tratat qui va mettre bas. Et là, il ne faut surtout pas parler d'un korban tratat. D'accord? C'était le petit vice avec. Histoire de compliquer un petit peu la chose, c'est que la suite de la Mishnah, elle va réellement parler d'un korban khatat qui va mettre bas. C'est-à-dire, le début de la Mishnah, en fait, elle parle d'une BMA choulin, qui est profane, pas kadosh, surtout pas khatat. Et la suite de la Mishnah, elle va nous parler d'un animal qui est khatat et qui n'est pas choulin, parce que si c'était choulin, la lacha sera différente, comme ce qu'on va voir dans quelques secondes. Et on avance sur la suite de la Mishnah avec à présent. Yalda tumtum vandroginos. Elle a mis bas un tumtum ou un androgynos. Androgynos, c'est un androgène, il a les deux. Sexe, on ne sait pas s'il est, qu'est-ce qu'il est, mâle ou femelle, ou en réalité, peut-être qu'il est même une troisième sorte, c'était une marloquette dans Prorot, comme ce qu'on avait appris quand on avait fait la fin de Prorot, une marloquette, comment définir un androgène. Et idem avec le tumtum.
Tumtum, à la différence de l'androgène qui a les deux, le Tumtum, c'est celui qui a rien. C'est-à-dire, en réalité, tel que je comprends dans la Gemara quand on en parle, c'est qu'il a une peau qui recouvre la partie génitale, on ne sait pas ce qu'il est. Il y a quelque chose en dessous, ça, on parle après, dans quelques endroits dans la Gemara, on parle d'un Tumtum chez Nikra, qui a eu un Tumtum où la poche, elle s'est craquée, et puis après, on a réussi à voir qu'est-ce qu'il avait. Donc en fait, réellement, il a une partie génitale, il est soit mâle, soit femelle, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Peu importe la question, quoi qu'il arrive, ce korban, il est pasoul pour le misbéach. C'est ce qu'on avait appris dans la fin de Maseret Brorot. Et la Mishnah m'enseigne bien. Tu as sanctifié le fœtus, et finalement, lorsque la bête met bas, eh bien, il s'avère que c'est un tumtum ou un androgynos. Qu'est-ce qu'on fait? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, il dit, En gdusha chala alein, il n'y a aucune gdusha qui va s'appliquer sur lui. Alors comment expliquer d'abord Rabban Shimon ben Gamliel? Tout d'abord, je vais vous faire un... Concrètement, je vous ai dit. On va d'abord exclure ce qu'il ne faut pas dire, comme ça après on va dire ce qu'il faut dire. Tout d'abord, lorsque je veux sanctifier un cas classique, si je parle d'un animal choulin, j'ai ma vache qui est enceinte, elle va mettre bas un petit. Si je veux sanctifier ce fœtus, je peux dire, ce qui naîtra, je le ferai en korban shlamim, peu importe si c'est un mâle ou une femelle. S'il va naître un androgynos, un androgène, eh bien, je n'aurai pas besoin de l'apporter en korban, il n'aura aucune gdoucha, cet animal. Parce que j'ai sanctifié un tumtum, un androgynos, j'avais sanctifié, mon intention, elle est que je sanctifie un korban que je peux apporter en korban, mais pas quelque chose qui est complètement une mutation de la nature, qui n'est pas apte à être un korban. D'accord? Ça, tout d'abord, lorsque moi je décide de sanctifier quelque chose, mon intention elle est de sanctifier quelque chose de bien. Et si ça sort quelque chose de très dans un androgène ou un tumtum même, eh bien dans ce cas-là, on ne va pas dire « Ah, mais de toute façon, c'est soit un mâle, soit une femelle, c'est pas notre problème. » Puisque de toute façon, il ne peut pas monter sur le misbéach, tu n'avais pas d'intention de l'offrir au misbéach. Premièrement, première donnée, c'est écrit dans le Tosot Yom Tov, et c'est rapporté dans Tifrat Israël aussi. Donc on ne parle pas du cas où l'animal il était chouline. On parle d'un cas où l'animal il était kadosh. Maintenant, s'il est kadosh, là, c'est plus compliqué. Parce que s'il est kadosh, alors dans ce cas-là, l'animal ne devient pas... C'est pas moi qui le rend kadosh, il devient kadosh malgré lui. Et donc en fait, on est en train de parler d'un animal qui est kadosh. Et la question, elle est de savoir maintenant, lorsque l'animal va naître, est-ce qu'il aura une gdusha qui va s'appliquer dessus? Sur ça, il y a une machloket. Rabban Shimon ben Gamliel lui-même nous dit, tu sais quoi, regarde, il y a une halakha, c'est une hakira dans la Gemara. Est-ce que Vladot Kochim, à partir de quand il devient kadosh? Le Vlad kadosh, le fœtus d'un animal qui est kadosh. Est-ce qu'il est kadosh depuis que sa mère, elle tombe enceinte? Il a déjà une gdusha dessus, on avait évoqué ça dans la mission précédente. Est-ce que depuis le moment où l'embryon commence à se créer, il est déjà kadosh? Pourquoi? Parce qu'il est une partie intégrante de la mère. Ou bar yerechimo. Comme la mère, elle a une cuisse, la mère, elle a une jambe, elle a une tête, eh bien, elle a aussi un fœtus, c'est un morceau de sa chair pour le moment, tant que ce n'est pas un être indépendant. Donc, il s'avère que maintenant, ce fœtus, il est déjà kadosh. Et c'est déjà kadosh. Alors, lorsqu'il va naître, il sera forcément kadosh. Qu'est-ce qu'on en fera? On posera la question ensuite, qu'est-ce qu'on en fera? Mais pour le moment, il a une gdusha malgré lui. Ou bien non, les fœtus, ils ne sont pas une partie intégrante de la mère. Ils sont un être externe. Extrinsèque de la mère, qui est créé certes par la mère, donc il n'y a pas encore de gdusha tant qu'il est dans le ventre de sa mère. Ça, c'est l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel, que la gdusha, c'est lorsque le bébé naît, que lorsque l'animal met bas, que lorsqu'il va naître, qu'il va y avoir une gdusha qui va commencer. Jusqu'à maintenant, il n'avait aucune gdusha, ni celle de la mère, ni rien du tout. Je pouvais le rendre kadosh si je voulais, mais tant qu'il a été créé, même si la mère elle était déjà gdusha, eh bien l'animal qui a été créé, il n'a pas de gdusha lui-même. Ça, c'est l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. Et en réalité, on avait expliqué que toutes les Mishnayot, en ce moment, elles vont selon cet avis, qui pensent que, Avayatan en Gdoshim, lorsqu'ils vont naître, ils vont être Kadosh, et pas Bemeiman. Regardez la première phrase dans Vatanora, il nous explique des Vladot Kochim, Behavayatan en Gdoshim, Velo Mimeiman. Les Vlad Kodesh, le petit, les embryons, les bébés de Kadosh, Behavayatan, lorsqu'ils vont naître, ils vont être concrètement, alors ils vont devenir kadosh, velo mimeiman, mais pas depuis qu'ils sont dans les entrailles de la mer. Tandis que dans les entrailles de la mer, il n'y a aucune gdusha. De ce fait, Rabban Shimon ben Gamliel vient et me dit, tu sais quoi, il y a eu une mutation, un mutant qui est né, un truc qui est ni mâle ni femelle, qui est entre les deux, qui ne peut pas monter sur le misbéach, il n'y a aucune gdusha qui va s'appliquer sur lui. C'est ça la vie de Rabban Shimon ben Gamliel. Et Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Ils nous disent, non, je ne comprends pas. La mère elle-même, elle est kadosh.
tout ce que la mère, sa cuisse, elle est kadosh, sa jambe, elle est kadosh, sa tête, elle est kadosh, eh bien son embryon, il a aussi une doucha malgré lui. Selon, on apprenait dans la Mishnah précédente que même selon Chachamim, que dans ce cas-là, puisque puisque la doucha, elle est depuis le moment où il a été créé, il s'avère que je ne pouvais même pas faire le trafic que le Vlad Khatat de le transformer en Korban Ola pour pouvoir contourner la doucha de la mère, parce que malgré moi, depuis le moment où il a commencé à être fécondé, eh bien, il a déjà un statut de khatat, donc je ne pourrais plus lui mettre dessus une gdusha qui va esquiver la gdusha du khatat. Jusque-là, ça allait, c'était ce qu'on avait appris, donc avec Chachamim, on l'avait expliqué, c'était expliqué dans Tifat Israël, un petit peu dans le Tosot Yom Tov. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Selah.